Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode d'On en parle, c'est l'épisode 334 si je me trompe pas, et aujourd'hui nous allons parler bien du petit animé Pokémon qui est sorti pendant environ un mois, Pokémon à l'ascension des cimes, qui avait été annoncé durant le Pokémon Presents du mois de août, si je me trompe pas. Je crois que c'était en août qu'il y a eu le Pokémon Presents, mais donc bref, commençons directement par le résumé. Dans ce petit animé de 4 épisodes avec des épisodes d'environ 10 minutes, nous allons suivre eh bien, une petite fille du nom de Anna qui, eh bien, suite à un déménagement, arrive dans un nouveau lieu et apprend à jouer aux cartes Pokémon qu'elle récupère eh bien, des affaires de sa mère et a rejoint un club Pokémon de sa nouvelle école et donc a appris à jouer au cartes Pokémon là-bas, s'est fait de nouveaux amis avec ça et donc participe à des tournois régionaux, internationaux puis mondiaux. De toute façon c'est les noms des épisodes donc je ne spoil absolument rien. Et donc on va suivre du coup Anna dans cette petite aventure de 4 épisodes et de comment sa façon de jouer aux cartes, etc. Donc c'est un animé sur le JCC Pokémon pour ceux qui n'ont toujours pas capté de quoi je parlais. Voilà pour le résumé de ce petit animé. Point positif, eh bien c'est très très joli visuellement. C'est dans un style différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, et c'est très joli. Il y a quelques petites références par-ci par-là comme à l'épisode 3, si je me trompe pas, quand ils sont dans la voiture. Je ne vais pas spoil pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, mais très très sympa, j'ai bien aimé cette petite référence-ci. Les personnages, que ce soit Anna, ses amis, ou bien les personnages un peu plus secondaires, qu'on voit assez peu, je les ai trouvés très sympas, malgré à certains moments on peut se poser des questions, peut-être sur certains, s'ils sont vraiment méchants, oui, tout. J'ai personnellement bien aimé l'animé. Le seul point négatif à propos que je pourrais donner, c'est le fait que c'est trop court. Personnellement, 4 épisodes d'environ 10 minutes, ça fait 40 minutes au total. Je trouve ça un peu court. J'aurais peut-être aimé avoir un épisode supplémentaire, peut-être, ou des épisodes plus longs. Je sais pas lequel des deux aurait été le meilleur, mais là, ça a été vraiment court, certainement. On dirait pas que c'est rush dans l'histoire, mais on veut directement arriver au but de l'histoire. Du coup, par exemple pour des tournois, on voit peut-être le premier combat en plus ou moins ellipse ou en accéléré, on peut dire, c'est pas exactement le terme, donc on skip des combats quoi. Et après on arrive, on montre que le perso augmente de niveau et on arrive directement vers la finale. Donc j'aurais peut-être aimé avoir quelques petits combats supplémentaires à certains moments, parce que personnellement le JCC Pokémon, j'ai jamais appris à jouer avec. J'aimerais bien apprendre à jouer avec un jour, mais j'en ai regardé, mais ça m'a pas plus donné envie que ça d'apprendre. Ça m'a donné envie du coup de ressortir mes cartes pour les admirer, parce que je suis un collectionneur dans l'âme, bien sûr, mais y jouer, ça m'a pas plus donné envie que ça. Et sinon, côté positif, également, je dirais le logo. On parle jamais des logos, mais ce logo, là, je sais pas pourquoi, mais je le trouve très stylé. Et petite information que j'aimerais bien faire passer, il y a le commentateur qui parle du coup, et je n'arrive pas à retrouver le comédien de doublage. Donc, si certains d'entre vous ont vu Pokémon à l'ascension des cimes et connaissent le comédien de doublage, je suis preneur, parce que j'arrive pas à mettre le doigt sur qui est du coup ce comédien de doublage en français. Je parle bien français, bien sûr. Donc si vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec son nom, parce que j'aimerais bien, j'arrive pas à mettre le doigt sur son nom, parce que je l'ai déjà entendu quelque part, mais je sais pas où. Voilà, l'information est passée. J'espère du coup, et d'ailleurs si j'oublie pas, je le mettrai en description. J'espère du coup que l'épisode vous a plu. Pour la note sur 10, je vais mettre 9 sur 10 pour Pokémon à l'ascension des cimes. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Mettez un commentaire, votre avis dessus si vous avez vu, et si vous n'avez pas vu, je vous conseille, c'est dispo sur la chaîne officielle Pokémon. Et on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vous dis enjoy.